Moi, je suis très bien arrivé, j'ai passé un bon vol. J'ai très hâte de découvrir le pays aux mille collines et je pense que ce sera une expérience unique dans ma vie. Tu n'es pas fatigué, tu as joué hier? Non, bah, j'ai demandé à partir un peu avant pour découvrir le plus rapidement le pays et j'ai hâte de le faire. Alors, c'est la première fois que tu arrives en Afrique? Oui, c'est ma première. J'ai jamais été. Comme j'ai dit, je pense que ça sera une expérience unique de découvrir le pays, la culture, votre culture. Et je vais le retenir. Tu sais quelque chose par hasard au Rwanda? Je sais dire bonjour, Mwaramutse. Ouais. Et non, je connais, d'après ce qu'on m'a dit, le génocide qui s'est passé. Je vais aller visiter le mémorial et voir les gorilles. Et d'après ce qu'on m'a dit, ça, c'est une expérience unique. Ok. Qu'est-ce que tu sais sur le football du Rwanda? C'est quoi? Qu'est-ce que tu sais sur le football d'ici au Rwanda? Tu connais le football au Rwanda? On m'a dit que bah, il y avait la fondation du PSG. Qu'il y avait à peu près 200 jeunes et dont 79 filles. Ça faisait pas longtemps qu'ils venaient de se créer. Et que bah, c'était déjà très avancé, qu'ils avaient gagné quelques trophées. J'ai hâte de découvrir les enfants et de partager des moments avec eux. Messieurs, c'est une année un peu spéciale pour toi. Tu as joué ton premier match avec la sélection de l'équipe nationale de France. On peut se demander pourquoi tu n'as pas opté pour jouer pour l'équipe nationale du Congo. Je suis pas congolais, donc je suis français et je préfère jouer pour la France. Les ambitions personnelles et pour l'équipe cette année? Après, l'objectif, c'est de gagner le plus de trophées, jouer le plus possible et d'aller le plus loin dans toutes les compétitions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
first of all, once again, welcome in Rwanda. Bienvenue au Rwanda. We want to ask you, how do you feel so far for a few hours you have been in the country? Qu'est-ce que tu penses depuis que tu es arrivé depuis quelques heures au pays? C'est un très bon pays. J'ai vu des gens qui nous ont bien accueillis et je tenais à les remercier pour l'accueil qu'ils m'ont fait. Ça se voit que c'est une bonne culture d'après ce que j'ai vu. Tout est propre, les gens ils se prennent pas la tête, ils sont toujours souriants. Donc, donc l'expérience que tu as eue avec les jeunes ici de la Paris Saint-Germain Academy, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis très content d'être parmi les enfants. J'ai vu de très bons joueurs. Ils sont souriants et c'est un plaisir de partager des moments avec eux. What is your best What was your feeling when they told you that you're going to visit Rwanda and what are your expectations in the country? Alors qu'est-ce que tu as pensé quand tu as su que tu allais voyager au Rwanda et qu'est-ce que tu attends de ce voyage? J'étais très content, très très fier, j'ai tout de suite dit oui. Et ce que j'attends c'est de visiter le pays, la culture, voir les beaux paysages de ce pays et je suis très content d'être là. What is your message about that PSG kids? Est-ce que tu as un message à donner aux enfants? De travailler tous les jours, d'être toujours souriant, à l'écoute des encadrants. Et comme je l'ai dit, le travail, ça paye toujours. Donc travailler, je pense qu'ils réussiront. Ok. Est-ce que donc tu es le plus jeune joueur du PSG, un des plus jeunes, le plus jeune buteur? Qu'est-ce que quelle est ta motivation pour continuer à travailler, continuer à t'améliorer? Le football c'est déjà une passion. Donc tous les jours je me lève pour aller faire ce que j'aime et c'est ma motivation à moi et je me dis qu'en travaillant tous les jours j'ai plus de chances d'être meilleur et c'est ce que je fais chaque jour. Et moi la cassette.